Oui, j'ai oublié. Bah oui, j'ai oublié aussi. Ouais, c'est passé beaucoup de choses en fait. Je prépare des tutos. Du coup, comme je prépare des tutos, j'ai des choses qui sortent, etc. etc. Je me retrouve avec des armes. Si vous comprenez pas d'où sort cette arme, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Alors, hier soir, il s'est passé un truc de psychopathe. J'ai eu une folie meurtrière. Et j'ai tué tout le monde en fait. Je suis allé à Diamond City, j'ai tué des gens. Je suis allé à Sanctuary, j'ai tué des gens. Je suis allé à l'Institut, j'ai tué des gens. J'ai tué tout le monde. On a fait pop des mobs. Je me suis mis en mode géant. Je faisais toute la map. En fait, je faisais un pas, je traversais pratiquement toute la map. Bref, c'est parti en couille complet. Du coup, ce soir, on va essayer de continuer un peu l'histoire principale et de continuer des quêtes aussi annexes. Alors ça, c'est le futur tuto qui va venir sur la chaîne, je pense demain. Comment débloquer ce canon de bordée. Une arme plutôt rigolote, honnêtement, elle sert à rien. Mais c'est une arme rare et ça vaut toujours le coup de la prendre. Sachant que la quête est plus fun à faire qu'avoir l'arme au final. Vraiment intéressant. Et honnêtement, la quête est vraiment, vraiment, vraiment très, très rigolote. Je vous ai enregistré tout ça. La quête dure à peu près 1 heure, si je dis pas de conneries. Bien évidemment, je la raccourcirai, hein, parce que ça sert à rien de vous montrer tout ça. Mais vraiment un truc de fou. Franchement, c'était vraiment un petit truc de fou. Je vous ai fait aussi cette vidéo sur le puzzle jump. Donc du puzzle jump sur Fallout 4, ça existe. Je peux vous assurer que ça demande pas mal d'agilité. Essayez de relever le défi, hein, si vous le voulez. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Alors, il faut pas mal de prérequis, comme je l'ai dit lors de la vidéo, pour avoir ces fameuses jambières que je vais vous montrer de suite. Donc pour obtenir ces jambières droite et gauche d'armure de chute libre. En fait, ça évite les dégâts de chute. Donc plus de dégâts de chute sans armure assistée. Plus de dégâts de chute. Il n'y a pas genre moins 20% ou 50%. Bethesda a mis ses armures à un endroit. Comment vous expliquer? Quand j'ai vu où c'était, je me suis dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver en fait. Jamais je vais y arriver. Bon, bien évidemment, les faibles vont utiliser la touche TCL, je crois, dans la console pour voler et aller prendre l'armure. Sachant maintenant où elle se trouve. Mais faites-le de vous-même, juste voilà, histoire de dire je l'ai fait au moins une fois. Vraiment, vraiment, c'est fat. Vous allez vous arracher les cheveux, je peux vous assurer, vous allez vous arracher les cheveux. Mais quand vous avez l'armure, après, ben, vous êtes plutôt content. Donc encore une fois, pour savoir où se trouvent ces localisations, etc., etc. Sur le stream, point d'exclamation F4, pour avoir la playlist directement des tutos sur le jeu. Tu peux faire ce que tu veux, c'est exactement ça. Donc, mort de rire, Kevin. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Damn! Re la famille. Salut les oiseaux, salut para. What's up, Beards? Ça va comment, frère? Merci infiniment pour ton don de 2 €. Donc, n'hésitez pas. Et faites tourner, quoi. Tu pourras faire comme Hulk. Tu sautes de n'importe quelle hauteur et t'as aucun dégât. C'est exactement ça, en fait. Salut Zenoya. Et salut à toutes les personnes qui arrivent sur le stream. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas vous mentir. J'en ai chié. Encore une fois, pour avoir ces items, j'en ai chié. Mais j'ai jamais entendu parler de cet item. La seule personne au monde qui m'a parlé de ça, c'est Georges. The 1 €, le modo qui est sur mon stream. C'est une personne qui stream aussi, qui stream et qui a une chaîne YouTube. Georges, une personne que j'ai connue il y a, ça va faire maintenant presque 1 ou 2 ans. Un très très bon YouTuber qui fait des jeux vraiment particuliers, quoi, des jeux plutôt stratégie, etc. Mais qui est vraiment fan de la licence Fallout. Et il m'a dit, tiens, j'ai trouvé des trucs, ça t'intéresserait de le montrer à tes viewers, etc. etc. Et du coup, je suis là, je lui dis, mais ouais, mais c'est quoi l'item? Il me dit, mais attends, il faut que je vienne sur TS parce qu'il faut que je t'explique, c'est la galère. Je fais, ok. Et d'un coup, j'arrive, je fais, mais c'est quoi ce délire? Il me dit, ben écoute, il faut que tu ailles là, il faut que tu aies ton jetpack. Ton jetpack et du Nuka Cola Quantum. Et prends tout ça, et dès que t'as tout ça, tu viens me voir et on y va. Ok, donc j'arrive sur le truc, sur le TS, il arrive, il débarque, il me dit va à cette zone. Dès que j'arrive à cette zone, il me dit voilà, tu vois tout en haut là, il y a un toit là. Mais genre tu dois passer au-dessus, tu fais un puzzle jump et tu dois arriver tout en haut pour récupérer une pièce dans un coffre. Je fais t'es sérieux? Bah je dis ouais. Et pendant 1 heure, c'était ignoble. Franchement, c'était ignoble. Mais je suis content de vous la présenter. Franchement, voilà, ça c'est le. C'est bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait plaisir donc. Allez regarder directement comment trouver cet item sur la chaîne YouTube. Allez, on est parti, donc on va faire pas mal de petites quêtes. Et je vais remettre aussi un petit peu mes tenues. Je sais à combien, la tête de mascotte, uniforme. Ok, poids 15, mais j'ai pas. Bon, on va se remettre en mode. Du coup, attends, en jambière, j'avais quoi moi?
Brassard, j'avais quoi? Réduit les dégâts infligés par les humains. Ok, brassard droit. Le plastron en cuir, c'était pour. Faut pas que les gens me détectent si je dis pas de bêtises. Ok, jambière, c'est quoi? Augmente la vitesse de récupération des PA. Et augmente la vitesse de récupération des points d'action aussi. Ok, bah du coup, moi je vais mettre nos dégâts de chute, non? Je suis à combien là de. On va mettre nos dégâts de chute, du coup, on va équiper le. L'item qu'on a récupéré de suite. Oh putain, ça me saoule ça. Ok, mon personnage est totalement. Il est pas beau, hein, vraiment pas beau. Mais bon. On s'en bat les couilles. De tout, c'est de s'amuser. Tu joues jamais en armure assistée? Si, si, Zenoya, quoi. Très peu. Honnêtement, je joue plus en Tsum Tsum, donc ça me sert pas vraiment. Pourquoi je peux pas? Ah! Mais ça commence bien. J'ai mon. J'ai mon table qui marche plus. Ok, ben ça commence très très bien. J'ai mon table qui marche plus. Salut les gueules, ça vaut quoi? S'il a tué les gens à Sanctuary, il pourra pas faire le jeu à 100%. Non, non, mais j'ai tué des gens, mais je. J'ai pris une ancienne sauvegarde, gros. Sérieux, frérot? Tu crois que je vais tuer des gens et que je vais laisser ça comme ça? Je vais sortir une vidéo aussi prochainement qui s'appelle Boum la vache. Vous comprendrez pourquoi. Et on va se rendre directement. On va continuer la quête principale, vu qu'il y a pas mal de gens qui voulaient qu'on la continue. Nettoyer la villa côtière, Station Oberland, on s'en fout. Parler à Père. Donc on va se TP, on va parler à Père. Et on va se retrouver à l'institut, directement. Ben, si tu veux le tuto, encore une fois, Zenoya, tout est sur la chaîne YouTube. Je sors demain la vidéo pour avoir ce canon, ce lance-canon. Je sais pas comment on peut appeler ça. Beaucoup de choses, vraiment, vraiment beaucoup de choses qui sont sorties, qui vont sortir aussi sur la chaîne. J'ai encore à peu près 6 vidéos. Alors, il y a beaucoup de personnes qui commencent à me demander en fait des tutos pour avoir de l'argent assez facilement et rapidement au début de jeu. J'ai parlé un petit peu avec Georges et il m'a donné 2-3 astuces qui peuvent être vraiment bien, histoire de se faire à peu près genre 12 000 capsules. On va voir si on arrive à faire les bons choix, hein, bien évidemment. Mais 12 000 capsules, ça peut être vraiment très très intéressant en début de game. Sachant qu'au début, c'est vrai que c'est très très dur, on passe de 100 à 100 à 200 à 200. Donc, à voir comment ça se passe. Mais on va tout mettre ça en ordre, vous inquiétez pas. Salut démoniaque, est-ce que tu vas faire le 3? Est-ce que je vais faire le 3? Oui, je pense. New Vegas aussi. Le truc, c'est qu'il faut me laisser le temps. Hein, il faut me laisser le temps de faire les choses. On est encore sur le 4, on n'a pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, on prend le temps, je prends le temps de faire des tutos. Je recommence le jeu en survie. Alors là, pour moi, je vais pas vous mentir, hein, ce personnage est. Je m'en fous, concrètement, je m'en fous. J'ai 800 millions de balles, j'ai vraiment cherché dans tous les recoins de la map, etc., etc. Je le fais pour continuer la quête principale. Et après, je pense que je basculerai sur mon perso en survie. Déjà pour vous montrer des armes uniques que j'ai pu rater, etc., etc. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à vous montrer, quoi. Bon, on va parler à Père. Father. On va parler à Father. Maintenant que vous avez pu voir l'institut de vos propres yeux. Qu'en pensez-vous? Ah, alors attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. Alors j'ai oublié de vous montrer un truc. En fait, ouais, parce que d'un coup vous allez vous affoler. J'ai ajouté en fait en mode Nexus les dialogues, en fait des meilleurs dialogues sur le jeu. Parce que les dialogues laissés aller de temps en temps. En fait, comment vous expliquer? Des fois vous avez des dialogues où vous disiez juste oui, non, où il y avait suspicion, ou je sais plus ce qu'ils disaient, scrupule, ou je me rappelle plus, bref, des trucs qui voulaient dans un sens pas ranger, mais que c'était assez flou. Du coup, j'ai installé des nouveaux dialogues. Alors, on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est, mais on va voir ce que ça donne. Fiston. Maintenant que vous avez pu voir l'institut de vos propres yeux, qu'en pensez-vous? Alors, avant de tout commencer, surface. Vous avez une technologie que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est incroyable. Si tu me crois m'impressionner avec quelques gadgets sophistiqués, tu te mets le doigt dans l'œil. Des labos scientifiques pleins de blouses blanches. J'en ai vu des tas. Si tu crois m'impressionner avec quelques gadgets sophistiqués, tu te mets le doigt dans l'œil. Je vois. Il ne s'agit pas que de gadgets, comme vous dites. J'espère que vous vous en rendrez compte un jour. Au bout du compte, toutes nos connaissances et ressources convergent vers un seul but, que notre devise énonce clairement. L'humanité redéfinie.
Malheureusement, aucun progrès n'est possible sans revers occasionnels. Aussi remarquable soit-il, nos synthétiques peuvent se montrer dangereux, sans supervision appropriée. Quand le corps et l'esprit supérieur des synthétiques se heurtent à la notion de libre arbitre, le résultat est parfois chaotique. Merci beaucoup Bibi et bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Ah, il y a encore le sarcastique quand même, hein. Si les synthétiques sont doués d'intelligence et d'une conscience, ils ont droit au libre arbitre. Même s'ils reproduisent de très près le comportement humain, ils restent nos créations. Quand vous verrez ce que j'ai à vous montrer, vous comprendrez que nous savons ce qui vaut le mieux pour nos synthétiques. Un synthétique renégat a pris le contrôle d'une bande de pillards à Libertalia. Sa mémoire a été effacée et son identité altérée. Il pense être un homme du nom de Gabriel. Sous son commandement, les pillards ont tué de nombreux innocents. J'ai envoyé un chasseur à Libertalia. Je veux que vous vous joigniez à lui pour capturer ce synthétique. Donc, on aura juste à braver une armée de psychopathes et à demander aux synthétiques de rentrer bien gentiment ? Un vrai jeu d'enfant. Je n'ai pas dit que ce serait facile. Mais je suis sûr qu'avec un chasseur à vos côtés, ce ne sera qu'une formalité. Vous feriez mieux de partir. Beaucoup de gens sont en danger, et tout retard pourrait coûter des vies. Ok, il me dégoûte un peu quand même, hein, le daron. Alors rejoignez le chasseur. Le chasseur se situe... Ok. Le daron me dégoûte. Faut faire attention avec ce mode. Si le désinstalle, ça va supprimer les données de base. Non mais de toute façon, ne t'inquiète pas. De toute façon, si il y a un souci avec le jeu, j'ai tellement installé de mode, désinstallé de mode, etc. pour tester, que je pense désinstaller le jeu et le réinstaller une fois vraiment des vrais modes de Nexus, tu vois ce que je veux dire. Avec le logiciel. Salut Nightmare, ça va quoi, bien? Salut Cutte. Ouais, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, mec. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont mis ça. C'est qui ces gens là? C'est qui ces mecs? Ah? Ah? Quoi? C'est des doux. C'est des clones ou quoi? Eh hey, mec! Mais qu'est-ce qu'ils font ces dindins? Oh, tu reviens d'aider! Ah putain, on peut se mettre là, regardez, les frères. Alors les gars, ça va? Qui c'est qui va gagner pour vous? Lui de droite ou lui de gauche? Moi je parie sur lui de droite. Ah! Ah non, lui de droite il va se faire ken. Attention! Ouf! Oh, il met des sales coups, hein. Il y a un synthétique dans l'eau. Mais comment savoir lequel est bon? Jumeau? Je peux pas lui parler, je peux rien faire. Je peux pas lui parler. La guerre est un art. Oh, joli jeu de mots. Je peux pas leur parler. Terminé. Chose ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il a tué tout seul. Je n'ai pas vraiment envie de discuter là tout de suite. S'il vous plaît. Mais comment tu sais que c'est stratégique? Cette chose me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Excusez-moi. S'il vous plaît. Ma foi. Faites quelque chose. Sans moi. Vous avez entendu quelque chose? Là, juste là. X688. Hé, les gars. Mais mec, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. J'ai autre chose à faire.
Moi, je reste nuque. Non, sérieux, s'il te plaît, gros. Et le mec, faut attendre que les gens y partent en fait, c'est ça? Mais c'est bon, il se casse là, laisse-le tranquille, putain! Wouah, la baisse de framerate! Oh! Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Wouah, je passais de 60 à. Ça m'a bien fait. Voilà, t'es content? Est-ce que t'es content maintenant? Voilà, boum hélico. Boum les gens, c'est bon? Vous devez être le chasseur. Ouh, que je dois accompagner. Faux Death. Matricule X688. J'ai déjà neutralisé le garde du périmètre. A votre signal, on pourra lancer l'assaut sur la flottille principale. Allez, finissons-en. Je vous suis. Capturer le synthétique renégat. Alors, le synthétique renégat, où est-il? Elle est juste là. Bon, ça sert à rien de se TP, alors c'est juste ici. Ah, c'est comme ça qu'on arrive à Libertalia pour la première fois sur le jeu, en fait. Ok, je ne savais pas. Il était bon ce truc, hein? Ok. Oh putain! Holy shit! Ouais, genre, je t'avoue quoi, frérot. Tu as regardé la vidéo ou quoi? Est-ce que tu as regardé la vidéo, frérot? Il est où, Nukeman? Fatman, Nukeman. Il est où, cet enfoiré? Cette étude qui est là-bas? Très appétissant. Ok. Alors pour toutes les personnes qui voudraient savoir en fait cet endroit, c'est ici qu'on trouve la grosse pétoire. Donc la fameuse batteuse de quoi, le fameux pompe de fatigué sur le jeu. Alors là je veux pas vous mentir, il y a un Fatman qui traîne. Alors je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Mais il est dans le coin. Je peux vous dire qu'il est dans le coin. Okay. Les mecs, ça les explose quoi. Mais non, mais ce sulfateur, c'est un truc de psychopathe. J'en ai marre. Et je veux jouer qu'avec ça en fait. C'est tellement cheaté. C'est pas le coin du bateau. C'est tellement un truc de fatigué quoi. Alors je vais vous montrer hein, pour toutes les personnes qui voudraient... Bon, ouais, légendaire quoi. Un fusil d'assaut. Oh, les cibles subissent 25 points de dégâts d'hémorragie. Oh, c'est fat. Le team l'a fallu celle-là. GG, ben je l'avais pas. Nice. Merci mec. Attends, je vais faire un petit F5 parce que le Fatman je l'ai toujours pas vu. Et lui il fait bobo. Hein. Lui il fait bobo. Eh mec, faut pas faire des trucs comme ça hein. Ah ça m'a tué. Ça m'a tué.
Donc un gros GG à Georges, s'il vous plaît, à Zianoro. Grâce à lui, vous avez la vidéo pour avoir ces fameux jambières de ouf, uniques, et qui a jamais été trouvé par qui que ce soit, en fait. Donc c'est Georges lui-même qui les a trouvés. Je ne sais pas comment il a fait, mais le mec, c'est un martien, quoi. C'est un martien. De toute façon, Georges, j'ai toujours dit, c'était un extraterrestre. Il a réussi à trouver ces fameuses jambières. Donc vraiment, un gros GG à Georges. Qui a voulu que je vous fasse par la suite, déjà voulu me dire où se trouvaient ces jambières, pour vous en faire une vidéo, pour que vous profitiez de ces jambières qui vous punissent, entre guillemets, quoi, non, qui vous permettent de ne plus avoir de dégâts de chute, ce qui est totalement cheaté, quoi. Ouais, Charco, ça vaut quoi, frérot? Alors si je m'arrête, vous voyez que je deviens invisible, en fait, c'est le buste qui me permet ça, en fait, le buste caméléon, qui permet d'être invisible. Je sais pas, faut passer pour monter, ah c'est là. Je sens le Fatman d'un coup, genre, salut. Non mais t'es sérieux, en fait, la grosse pétoire, en fait, c'est une arme qu'on récupère directement. Ah, je savais même pas ça, en faisant les quêtes principales, en fait. Donc pour toutes les personnes qui font la quête principale, automatiquement vous aurez la grosse pétoire, sans avoir à venir ici. Alors moi, en fait, depuis le début du jeu, je passe toujours par là. Et j'arrive pas à ouvrir ce truc parce qu'il faut être maître. Et ça me casse les couilles de monter la compétence. Regarde-le, lui, regarde-le. Mais du coup, je passe par là. A chaque fois, j'ai toujours passé par là pour la cabine du capitaine. J'ai fait quelle quête? Eh ben, la suivante, gros. Attendez une minute. Juste après avoir parlé à Father. Normalement, la grosse pétoire se trouve juste ici, en fait. Dites à voix haute le code de rappel. Gamma 71 Epsilon. De quoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pardon. Je vous suis. J'ai pas compris. Il m'a dit quoi, le mec? Est-ce que je parle en même temps, moi? Capturer le synthétique, rien, les gars. Ok, Witchy. J'aimais ton venir ici, en fait. Je savais même pas, en fait, qu'on l'a débloqué en faisant la quête principale. Je savais pas. Génial. Et du coup, il me redemande de monter? Qu'est-ce qu'il dit, frère? Bien joué. Avoir votre équipement, très impressionnant. J'imagine que vous êtes deux agents de l'Institut. Vous êtes arrivé au sommet. Alors dites-moi, l'Institut est vraiment désespéré au point d'avoir besoin de piller le butin durement gagné d'honnêtes gangs du Commonwealth? B5-92, réinitialisation totale. Autorisation Gamma 71 Epsilon. Ça va? Gabriel, t'entends ce que je te dis? Merde, ils lui ont fait quelque chose! Liquidez-les! Première erreur! C'est fait hier. Ici X688. Prêt à rentrer avec le synthétique B5-92. Mais tu aurais pas pu me téléporter avec toi, enfoiré? J'aurais pu me téléporter, ce chacal. Quel enfoiré. C'est violent, l'arme, hein. C'est très 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 violent. C'est pour ça que je vous conseille de la prendre, encore une fois, hein. Le truc s'est transformé en shish kebab. Eh ben tiens, que tu parles de shish kebab, il y a une arme qui s'appelle le shish kebab dans le jeu. Et je vais vous faire bientôt le tuto pour l'avoir. Alors en français, ils ont appelé ça le flambeur. What the fuck. Papa dit que vous êtes le papa de père. Ok. Tu veux te mettre une bastos toi aussi? Calme-toi tout de suite. Je suis papa de dégâts, moi. Merci à toutes les personnes qui follow le stream. Alors attends, merde, il faut aller regarder. Father. Heureux de vous retrouver indemne. Je sais que la tâche était ardue. Mais il fallait que vous constatiez par vous-même le danger que représente un synthétique renégat.
L'Institut a créé ce synthétique. Ce qui veut dire qu'il est responsable de ses actes. Je ne suis pas d'accord. Par nature, un synthétique n'est pas plus malveillant qu'un pistolet. Quand un homme est tué par balle, accuse-t-on le fabricant d'armes ? Bien sûr que non. Le coupable est celui qui a appuyé sur la gâchette. Oui, nous avons créé ce synthétique. Mais ce sont les agents du réseau du rail qui en ont fait un tueur. Qu'ils en aient eu l'intention ou non. Mais assez parlé de ça. Vous avez rempli votre mission, et vous nous avez ramené notre synthétique en bon état. Je ne pouvais espérer meilleure issue. Excellent travail. En votre absence, j'ai fait préparer vos quartiers. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, ainsi qu'un bon stock d'armes et d'équipements. Allez y jeter un œil. Je pense que ça vous plaira. Eh hey, mais tu sais quoi, moi je m'en bats les couilles de tes quartiers là, j'ai envie de retourner, je m'en fous de les sichus là. Est-ce que ça va valider en fait? J'aimerais savoir est-ce qu'on est avec eux ou pas en fait. Moi je veux pas être avec eux. Hein. Il me fait flipper ce monsieur là. Oh là là, mes quartiers c'est où là? Parce que je suis dans le... Vous devriez aller voir les quartiers. Attends mec, il faut que je me repère dans ton bordel là, il y a tout qui est bleu, blanc... Ça pique les yeux. C'est ici qu'il faut aller? C'est quoi ça, un téléporteur? Non, ça, ça descend. Oh putain, j'ai fait la merde. Non, tu es pas avec eux. Merci. J'ai déjà... Non, alors c'est où mes quartiers là? D'accord, un téléporteur pour un téléporteur. Non, là on revient au tout début du jeu. Eh, mais vas-y, c'est à s'y perdre son truc là. C'est trop blanc, la vérité ça pique les yeux. Salut Adri, ça vaut quoi? Je suis trop méro. Salut Nif Gardien. Bien ou bien? C'est bloqué. C'est bloqué. Coteau, déverrouille. Pour chaque relais que je répare, deux autres qui tombent en panne. Ah, c'est peut-être là, non? Il y a eu un autre incident. Code rouge. Code rouge. Eh mais comment tu veux que je trouve les quartiers dans ce bord? Ah, peut-être là. Ah, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ah, j'y suis presque, non? C'est pas là, c'est au-dessus. Ok, c'est juste là, mais au-dessus. La situ est vachement cool. Ouais, mais je pense que je... En fait, je verrai quand je referai le jeu avec la situ, frérot. Vos nouveaux quartiers sont ici. Plus jamais. Oui, monsieur. Qu'est-ce que j'aimerais te coller une balle dans la tête à toi? Alors tu vois genre... Tu vas me le payer. Ça va. On rigole gros, je te mets une balle dans l'œil. C'est un amusement. Tu peux me laisser s'il te plaît? J'aimerais prendre une douche. Père souhaiterait vous voir. Ta gueule. J'aimerais prendre une douche tranquille. Ok. Eh c'est mal poli ça. Avec impatience notre prochaine mission. Mais casse-toi. T'es homo ou quoi? Je vais prendre une douche, t'es dit. Ah putain, on peut vraiment prendre une douche? Holy shit. Goodbye my lover, goodbye my friend. Oui, quand je me douche, je chante cette chanson. Et alors? Ça vous dérange? Alors, bloc-notes, stylo de journaliste. Ouh, c'est ouf. Cendrier, blouse de l'institut. Oh, énormissime. Lit, dormir, on va se piquer, ouais. Bon. Vous devez ressentir une fierté sans borne en voyant tout ce que Père a accompli. Pas trop, non. Pas trop. Merci d'avoir ramené ce synthétique. C'était du bon. Rien à signaler, monsieur. Je peux partager la douche avec toi? Tu vas me faire gerber, gros. Allez hop. Bonjour, Père. Dites-moi. Que feriez-vous si quelqu'un vous volait quelque chose? Pareil, et le pire qu'un synthétique, c'est un synthétique qui chante Goodbye My Lover sur la douche. c'est une question piège, ça. J'espère que vous n'êtes pas trop sous le choc. Après tout ce que j'ai traversé pour toi.
Je pense que tu le sais déjà. Excusez-moi, père. Vous avez raison, bien sûr. L'organisation qui se fait appeler le Réseau du Rail a acquis plusieurs synthétiques de l'Institut. Des synthétiques qui avaient disparu ces derniers mois. Ils veulent visiblement libérer ces synthétiques, parce qu'ils les croient doués de sentiments. Mais vous connaissez certainement leurs convictions erronées, ayant été en contact avec eux. J'essaierai d'en discuter, et de voir si on peut régler ça dans le calme. Rappelez-vous, Libertalia. Voilà le résultat de leurs actes égoïstes et inconsidérés. Ils ne représentent pas de réelles menaces en temps normal. Mais dernièrement, ils se sont enhardis. J'ai bien peur qu'il nous soit devenu nécessaire d'intervenir. Nous savons où ces synthétiques se trouvent. Et nous devons les récupérer avant que le réseau du rail n'ait le temps de les cacher. Attends, je comprends pas là. Pourquoi il me donne ces quêtes encore? J'ai des quêtes à faire avec lui. Je n'en vois pas trop l'intérêt. En plus de reprendre ce qui nous appartient, nous devons leur donner une leçon. Et sans tarder, qui plus est. Mais il va falloir agir vite, avant que le réseau du rail se rende compte que nous les avons localisés. Nous ne voulons pas non plus que la confrérie de l'acier découvre la présence des synthétiques. Ça ne ferait que compliquer les choses. Franchement, c'est une perte de temps. Comme souvent à l'Institut, les ramifications dépassent largement l'objectif immédiat. Tâchez de vous en souvenir. Un chasseur vous attendra près de Bunker Hill. Vous aurez besoin de lui. Yo, Xenem. J'ai pas envie, moi. J'ai pas envie de... Moi je vais faire la balance hein, sur ma vie, je vais aller au réseau du rail et je vais leur dire sur ma vie, ils veulent quoi eux? Ils veulent me trouver, c'est la guinguette, le mec je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Bon, si je le connais. Fais gaffe au réseau du rail, ils pensent que les synthés sont équivalents à des êtres humains. Or si tu parles avec des scientifiques de l'Institut, ils te disent clairement que les synthés sont dangereux et ils sont confrontés au libre examen. Les réseaux du rail, c'est un peu des tarés. Mais je sais que tu me l'avais déjà dit, mais moi, personnellement, j'ai envie de faire la quête du réseau du rail. Donc, j'ai commencé avec eux, je vais terminer avec eux, quoi, tout simplement, gros. C'est trop énorme. La rumeur dit vrai. Nous avons un agent à l'intérieur de l'Institut. Cet homme Labricole qui a réussi cet exploit. Ton fils, il est chiant. Le dispositif et son assemblage sont à mettre au seul crédit de Nomad. Après l'assemblage du dispositif, il est entré dans l'Institut et en est ressorti. Où se trouve l'Institut? On ne sait pas exactement. Moi je sais. On pense qu'il est sous l'ancien CIT, mais ils utilisent un téléporteur pour entrer et sortir. Il pourrait être n'importe où. Qu'est-ce qu'il a découvert? Je sais que vous avez tous des questions, mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Sachez seulement une chose. Les opérations qu'on va lancer prochainement seront les plus importantes de notre vie. On a une chance de sauver plus de synthétiques qu'on n'aurait jamais pu espérer. Alors au boulot. Tout le monde n'arrête pas de dire. Liber. T'as abusé de la dose. Notre opération là-bas est d'une importance moi, capitale. C'est là pour vous faire soigner, j'imagine. Voyons ce qui ne va pas aujourd'hui. Je peux vous parler? Quelque chose vous tracasse? Mais arrête de bouger, je suis en train de te parler. L'Institut est au courant pour Bunker Hill. Il compte aller récupérer les synthétiques. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. Ces quatre synthétiques sont sous la protection de Stockton. On n'a aucun autre endroit sûr où les mettre. Vous devez absolument garder votre couverture. Mais là, le sacrifice est tout simplement trop grand. Quelle serait l'entendue des dégâts si on le laissait attaquer Stockton et cette chic compte sur nous. Stockton et les synthétiques comptent sur nous. On ne peut pas les laisser tomber. Bien parlé. Avant, on ne savait jamais où et quand l'Institut pourrait frapper. Mais maintenant, on a enfin une chance de renverser la vapeur. On va attendre que l'ennemi prenne position et on frappera. Très fort. Il ne doit y avoir aucun survivant. À part vous, bien sûr. Compris ? Si je peux les attaquer de l'intérieur, c'est faisable. Il ne faut pas frapper trop tôt. On doit les attirer dans la zone prévue avant de refermer le piège. Vous saurez quand.
Un chasseur vous accompagnera sûrement. Il faudra l'abattre. Vous l'avez déjà fait, mais ça ne sera quand même pas sans risque. Comme vous l'avez dit, je l'ai déjà fait. C'est un risque, mais on va devoir le prendre. Alors au travail. Tu sais où tu peux choper le caméléon? Non, c'est totalement au hasard. Avant d'y aller, utilisez l'entrée derrière. Avant de faire cette mission, explore à fond l'institut, car après tu ne pourras plus y aller. Ben honnêtement, mec, j'ai pas envie d'y aller. Tu vois, je vais te dire, j'ai fait un petit peu les contours, etc. Voir des gorilles synthétiques, des plantes synthétiques, des gens synthétiques. Je pense que, concrètement, hein, comme je l'ai dit, là, je joue le jeu avec le réseau du rail. Il y a très peu de personnes qui l'ont fait. Et moi, je me suis... je l'ai dit, hein, je l'ai dit aux gens, depuis le début, je ferai le réseau du rail, quoi qu'il arrive. Qu'il soit teubé, qu'il soit intelligent, qu'il soit... voilà, bref. Du coup, je vais faire ça avec eux. Et après, quand je ferai avec l'Institut, je pense que de toute façon, l'Institut, je le ferai en survie. Donc, j'essaierai de montrer le côté de l'Institut. Et bien évidemment, je referai un troisième perso s'il faut le faire pour faire la confrérie de l'acier. Même si je pense que le 3 quarts, wow, ouais, 90% des gens ont fait la confrérie de l'acier. Donc, voilà, c'était juste. Il y a une meilleure arme à plasma là-bas. Ok, eh ben, y a pas de souci, on va y aller de suite, frérot. Faut juste que je sache où est le marchand et on va se faire ça alors. Mais il n'y a pas de problème. Mais tu vois ce que je te dis, Georges, j'ai pas envie de te visiter, etc, etc, pour... Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Franchement, c'est vrai que... C'est vraiment ouf. Hein. Franchement, c'est vrai que ce qu'ils ont construit, etc, etc, c'est vraiment quelque chose de ouf. Le problème, c'est que moi, honnêtement, tu sais, un monde parfait... Oui, c'est vrai, ils essaient de reconstruire un monde, mais avec des synthétiques, genre... au moins, c'est pas ça. Après, voilà, chacun ses trucs, quoi. Du coup... Il y a la milice aussi, ouais, mais la milice, ils sont neutres, en fait. Tu peux rester avec la milice en faisant les trois autres. Du coup. On va aller voir le marchand pour la présenter, parce que si c'est une arme rare et qui est ou le PNJ, ça peut être toujours cool de la présenter pour en faire un tuto, de montrer. Par contre, maintenant, il faut savoir où se trouve Advanced System, où se trouve cette arme rare. La division des systèmes avancés, on va voir. Salut Fred Desbois, ça va quoi, bien? Alors merde, attends, juste à droite, je vais retourner au début. Je vais retourner au début, comme ça je vais me dire. Tu vas détruire l'endroit où t'es, en fait, je vais plus jamais y retourner, donc je pense que, ouais. Alors attends, juste à droite de l'endroit où t'es, donc je pense que le logo... C'était le logo vert, c'est ça que tu m'as dit, frérot? Ah, t'es passé à côté du marchand. Mince, c'était là? L'endroit avec le logo vert, c'est pas le logo vert ça, hein. Je sais pas, pour moi c'est bleu. Le go vert, il est là. Salut. C'est lui le synthétique. En tant que préposé au service des réquisitions de l'Institut, je peux vous fournir tout le matériel requis pour vos missions à la surface. Vraiment énorme, Fred. Vraiment, vraiment énorme. Voyons ce que vous avez. Alors, le monsieur a brassard de droit de synthétique, ok. Un casque. Oh, putain, il est beau. Oh, par contre, le casque de synthétique, il me plaît. Alors, expérience 18A, cadence de tir accrue de 25%, vitesse de rechargement accrue de 15%. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Sachant que c'est une arme, je pense que c'est une arme unique à ce PNJ. Donc, autant en faire aussi. Ouais, je pense que j'en ferai une vidéo. Ça a l'air pas mal du tout. On va l'acheter. On s'en fout, on est là pour déconner. Voilà, pour se prendre la tête. Du coup, on va l'acheter et on va voir aussi le casque de synthétique que j'ai jamais vu. Agilité et perception plus 1. Il a l'air vraiment stylé, le casque. Alors, plastron de synthétique, les ennemis ont plus de mal à vous détecter quand vous êtes en furtivité et immobile. Ah, mais j'ai déjà le plastron. Ok, plus votre santé est faible, donc... Ah, du coup, c'est bien ça, c'est bien ça. Ça veut dire qu'en fait, le caméléon, on peut le trouver directement... on peut le trouver directement sur le PNJ. Donc, ça voudrait dire que genre... ouais, on pourrait trouver directement, c'est pour les gens qui voudraient jouer sneaky. Ça, c'est bien ça, c'est pas mal du tout. Et yo, Geoffrey Steam, ça vaut quoi? Moi j'arrive plus à le lâcher. Après mec, il faut savoir ce que tu veux. Après Fred, si tu te lances dans un jeu comme ça, moi je vais pas te mentir, depuis qu'il est sorti frérot, je joue plus à rien. Je joue plus à rien d'autre. Je suis tellement pris dans le jeu que c'est ouf. C'est vraiment ouf, hein, je vais pas te mentir, c'est vraiment dingue.
Du coup, je pense que là, ce plastron, bah, pour la personne qui me demandait tout à l'heure, c'est trop fun, où on peut trouver un plastron directement bah, pour être immobile, pour être invisible. Il y en a un directement sur ce PNJ, alors qu'il est à l'Institut. C'est très très bon à savoir. Salut Ryan. Il fait combien de dégâts? 25, je crois, 25 ou 30, mais il n'est pas amélioré. Yop, avec Kim, ça va quoi? Bien. Ouais, c'est une arme unique. D'accord, ok, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Le plastron, je vais pas le prendre parce que j'en ai un. Concrètement, à moins que si pour faire peut-être tout le. Ouais, peut-être. Plastron de Saint-Etienne qui fait combien? 2800. On s'en fout de toute façon. On s'en fout, je pense, de toute façon. Ouais, et je vais prendre le casque aussi. Bon, les blues, etc. etc. on s'en fout. Je vais prendre le casque. Agilité perception qui coûte 1000. Il ne reste plus 4600. On s'en contre-friche. On s'en contrefiche, on a acheté tout ça. De toute façon, j'ai pas fait encore les quêtes pour avoir. Ah, les cartouches à plasma, du coup. Bon, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal, on va garder ça. Donc, du coup, je me retrouve full. Ah 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 ah. Je suis à combien sur moi? J'avais pas pensé à ça. 364 sur 350. On va grailler. On va grailler, on va grailler. Je dois avoir pas mal de trucs à grailler sur moi. Tout ça, ça pèse combien? Ça, c'est 1. Ok, des carottes, mon frère. Je t'en donnerai des carottes, moi. Au purifié, putain, j'en ai 30 sur moi, quoi. Ouais, ça, on s'en fout, putain. J'ai des trucs sur moi qui servent à rien, gros. Ok. Profites-en pour vendre tes trucs de merde à ce marchand. Il est plein de fric. Ben, j'ai mangé la trois quarts des choses. J'ai mangé le trois quarts des choses, c'est pas grave. Je propose une sélection d'objets. Ben, déjà, je vais faire un F5. Alors, on va voir au niveau des tenues. Peut-être équiper maintenant le plastron. Donc, caméléon, il est où? Il est où? Le plastron de synthétique. Au KLM. Du coup, le masque de synthétique. Et on va voir l'arme directement. Donc, encore une fois, je vous montrerai le tuto pour débloquer ce canon. Elle sortira demain, je pense. Expérience. Je l'ai mis où le canon? Je l'ai mis là. Alors, pas mal. Ok, ça a l'air cool. Ok, expérience 18A. Cadence de tir accrue de 25%. Vitesse de rechargement accrue de 15%. Franchement, ça a l'air pas mal. Hein. La cadence de tir qui est de 136. Putain de merde. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Et là, elle est que à 24 parce qu'elle est pas améliorée. Fou. Ça a l'air ouf, hein. La cadence de tir, là, le recul est vraiment important, par contre. Qui est contre ce genre d'ennemis. Quand même, c'est ouf. Hein. C'est vraiment ouf, hein. Franchement, elle est dingue. Hein. Elle a l'air assez dingue. Father, 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 father. Oh, elle est dingue, oh. Elle est dingue, frère. Elle est découpe, tu mets deux balles, ça les tue. Bref, franchement, pas mal, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Je viens de checker ta chaîne YouTube, tu m'enlignes tout le gameplay. Ouais, tout, mec. Les tutos, toutes les vidéos, etc., etc. Je mets tout en ligne, en fait. Sachant que là, on a amassé pas mal de trucs. Alors, attends, du coup, j'ai fait un F5, mais est-ce que j'ai récupéré pas mal du tout, cette expérience 18A. Encore une fois, Georges, il parle pas pour NGR, le mec. Et il nous a montré un truc qui est vraiment sympathique. Plastron de synthétique. C'est pas mal.
Et du coup, le plastron, je l'ai pas d'équipé sur moi, je comprends pas. Questionnaire, il est un peu plus... Ok, mais du coup, le plastron, il est bizarre, il n'y a rien, j'ai l'impression, dessus. C'est pas mal. Je suis presque pratiquement full synthé, en fait. Je suis pratiquement full synthétique. Ok. Plus de l'institut, quoi, mon frère. C'est stylé comme ça, genre, ça me fait délirer, frère. On dirait un serial killer, le mec. Bonjour, ah oui. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Plastron synthé, du coup, tête de mascotte, on va le remettre. Jambière de droite augmente la vitesse. Non, il me faut juste les bras maintenant. Donc, caméléon, je crois que c'était. Merde, je sais plus où sont les trucs. On va se remettre comme ça. Yo, Priox, ça va quoi, bien? Du coup, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu tous ces items. Hein. Après, je sais pas si. Accréditation confirmée. En quoi puis-je vous aider? D'accord, voyons ça. Alors, est-ce que j'ai des trucs de merde à vendre? Par exemple, pas mal de petits trucs. La blouse de l'institut, ça lui vend quand même 28. Uniforme de chasseur que j'ai trouvé sur le mec, je peux le revendre quoi, au KLM. Pff, les psychos, j'en ai trop, frère. En fait, je peux revendre tous mes trucs là qui me servent strictement à rien, tu vois ça par exemple. Pit de maïs quoi, je m'en bats les couilles. Viande de fangeux, je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais tout ça en fait. Concrètement, bon, les viandes d'écorcheur, on va garder quand même. Ça, on va pas le vendre, ça peut être très utile. Stealth Boy du réseau de rail, pourquoi? C'est quoi qui change par rapport? C'est juste la valeur. Ok. Pourquoi pas? Ça donne 200 de points de vie, on va garder, ça on va garder, du sang irradié, non, sang irradié on va te le redonner. Ça on va garder, pas de comestible j'allais dire. Ok, on s'en fout. Le melon, tu vois, genre le melon, c'est vraiment bas les couilles. Moins 50 à radiation quand même. Ouais, le fond, on va le garder. Ok. Ben oui, ça me plaît énormément. Après, pour l'instant, je commence, non? Ah, mais. Non, on vend pas les œufs d'écorcheurs. Ah bon? Pourquoi c'était ouf? Les bouffes, tu t'en balèques. Les œufs d'écorcheur, quoi, je vais en avoir l'utilité en fait. Les œufs d'écorcheur. En parfait état. Ah, pour le vendre au mec, il coûte 200, je crois, non? Ouais, je pense. Ouais, bon, c'est bon, on a gagné 200 capsules, on s'en va les couilles en fait. On a gagné 200 capsules, frérot. Du coup, on va se rendre au point indiqué. Optionnel, informer la confrérie de l'acier. Oh, je m'en fous. Je m'en fous de la confrérie. Tu peux te faire 500 capsules. Non mais je l'ai déjà faite en fait cette quête, Georges. C'est peut-être pour ça en fait, j'ai eu peur. Je l'ai déjà vendu en fait. J'ai déjà vendu un œuf en bon état. Et j'ai eu l'arme de l'écorcheur, si c'est ça que tu voudrais en fait savoir. En fait, je suis allé voir l'écorcheur, j'ai pris son arme, j'ai tué l'écorcheur. Je suis allé voir le mec. Je lui ai vendu, je crois, pour 200 capsules ou un truc comme ça. Mon derrière d'ado. Mec, il me fait sa déclaration d'amour en live, frérot. Moi aussi, je t'aime, frérot. C'est pas un robot? Ouais, c'est ça, c'est un robot, ouais. Vous vous rappelez pas, là? C'est le robot, là, qui... Ben, pour répondre à ta question, revenir sur ta question, Adri, ouais, ça me plaît énormément. Après, pour l'instant, mec, nouvelle vie, on essaie de survivre, tu vois, je te dis. En fait, ce que j'ai fait, Georges, je suis allé voir le robot. Je suis allé voir dans un premier temps le robot. Attends, je vais enlever cette lumière blanche parce que ça me fait mal aux yeux. Je suis allé voir le robot dans un premier temps. Et il m'a dit, en fait, avec l'œuf d'écorcheur, en ayant fait la quête pour le musée, d'ailleurs, c'est une quête aussi que j'en parlerai, en fait, quand je referai le jeu, en tuto, pour avoir l'arme d'écorcheur, en fait, l'arme au cac, pour avoir les griffes d'écorcheur. Je suis allé voir le robot, il m'a donné 500 capsules, en fait.
Je suis là, ouais, quand même, c'est ouf. Mais en contrepartie, il n'y avait rien en retour. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir l'écorcheur. J'ai déposé l'œuf. Et en fait, d'un coup, j'ai vu qu'au sol, on m'a dit qu'au sol, en fait, il y avait de l'arme. Du coup, j'ai récupéré l'arme. J'ai tué l'écorcheur. J'ai repris l'œuf. Je suis retourné. Je suis retourné à Diamond City. Et j'ai tué. Et j'ai donné au robot. Il m'a donné 200 capsules, par contre. Maintenant, tu vas faire quoi? Maintenant, je vais aller voir le mec de l'institut. Tout simplement. Pour faire la quête, mais je pense que je vais le tuer en fait. Ils sont plein de nouvelles personnes et tout. Je vais le tuer en fait, concrètement. Je pense qu'on va le tuer. Je vous attendais. Ouais, il y avait la queue à la station de lavage. Ça m'a pris un temps fou. Si c'était de l'humour, c'est raté. Nos cibles sont à l'intérieur. 4 synthétiques sous la protection du réseau du rail. La majorité des habitants n'ont rien à voir là-dedans. Ils prendront sûrement la fuite. La situation a l'air de s'être aggravée. Une approche discrète semble impossible. On entre, on sécurise les synthétiques, et je me téléporte avec eux jusqu'à l'institut. Compris ? Les paramètres de la mission viennent de changer. On ouvre les hostilités. Demande de renfort immédiat. J'ai envie de charger directement en fait. Ne tire sur personne dans cette quête. Tout le monde croit que tu es leur allié. Donc personne ne te tire dessus. D'accord, si tu tires sur personne. Ouais, mais du coup, je tire sur qui moi? C'est qui ça? Ah, mais c'est des mecs du rail ça, gros. Mais non, gros, je. Je laisse pas les mecs du rail défoncer mon pote. Mais c'est le furieux? Je fasse quoi, putain de merde là? Du coup, j'ai échoué la quête. J'ai pas échoué la quête quoi. Oh putain, faut que j'aille vos repères maintenant. Je pense qu'il faut que. Il faut que j'aille vos repères directement en fait. Occupez-vous des synthétiques en fuite. On va tous les défoncer, putain. Ça me bat les couilles des synthétiques, on va tous les défoncer. Pas moyen de crocheter. Ah, du coup, il faut que j'en commence en fait? C'est comme tu le sens en fait. Les gens ne comprennent pas en fait que c'est comme tu le sens. Je vous attendais. C'est vraiment comme tu le sens en fait. Ouais, il y avait la queue à la station de lavage. Ça m'a pris un temps fou. Si c'était de l'humour, c'est raté. Nos cibles sont à l'intérieur. C'est un homme ou une femme? Synthétique sous la protection du réseau du rail. La situation a l'air de. On entre. Je vais avoir besoin de grenades. Donnez-moi quelques-unes. Très bien. Nos cibles sont protégées par un homme du nom de Stockton. Le mec, je l'ai raquetté et tout. Salut, mais moi, ça va ou quoi? Non, j'ai décidé d'aider ceux du rail en fait. C'est un mec avec une bonne femme. Parce que regarde, il y a des gens déçus. En fait, je cherche sur personne, ok. Le problème, c'est que j'aimerais bien rentrer dans ce bordel là. Et je fais quoi moi en fait là? Je me touche la pile, tu vois ce que je veux dire? Tu regardes après tu agis. Bon, cool la mission. Putain, c'est un truc de ouf quoi, y'a pas moyen de passer par ici là? Regarde les mongols. Il doit avoir une possibilité de passer, non, par là? Fais le tour. Ah voilà, tu vois, normalement je pense que voilà. On va pas rester là sans rien faire.
possibilité quoi ça. Ah bah oui. Putain la vache. C'était un peu le bordel hein, c'était un peu le bordel. Moi je me suis calé tranquille, on attend.